Bonsoir à la maison, bonsoir dans la salle. Ce soir, on va commencer avec une cérémonie pour souligner les athlètes des mois de juillet à octobre. Je veux saluer les parents, les représentants des clubs sportifs qui sont présents ici avec nous ce soir. Le programme de reconnaissance des athlètes du mois existe depuis l'année 2000, initié par la Commission de la pratique sportive et de la vie active de la Ville. Tout au long de l'année, les clubs sportifs et les organisations scolaires de Rivière-du-Loup sont à tour de rôle invités à recommander un athlète ou une équipe qui s'est particulièrement illustrée au cours de la dernière saison. Nous avions mis le programme sur pause pendant la pandémie, puis le temps que tous les sports vivent au moins une année de retour complet à la normale, et donc ce soir marque le grand retour de cette remise. Par cette reconnaissance, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite féliciter les bons coups de nos jeunes athlètes, souligner leur effort et détermination, ainsi que les encourager à pratiquer une activité physique et s'illustrer dans une discipline sportive. Je commencerai avec notre première récipiendaire qui s'appelle Léane Laure, qui est du club sportif, le club de baseball mineur Les Mariniers. Ses parents sont Karine Plourde et Jonathan Laure, et son entraîneur est Stéphane Bourassa. C'est sa troisième saison dans la discipline qu'elle pratique environ 16 semaines par année. Tu peux venir ici. Oui, c'est bien ici à côté. La saison régulière s'est conclue avec 8 victoires, 3 défaites et 1 nulle. Léane y évoluait comme joueuse de premier but en raison de la fiabilité de son gant et de son jeu défensif. Appelée à lancer, elle se débrouille très bien en forçant les adversaires à frapper des roulants pour des retraits et accordant très peu de buts sur balle. Au bâton, elle frappe et met la balle en jeu à presque toutes ses présences. Pour cette raison, elle occupait le 5e rang des frappeurs et elle n'a été retirée sur des prises que 6 ou 7 fois à l'occasion. À six ou sept occasions. Aux championnats régionaux d'août dernier, Léane a lancé les 3 premières manches de la demi-finale, n'accordant qu'un seul point et récoltant la victoire. En finale, elle a frappé un coup sûr avec un retrait pour produire le point égalisateur de la dernière manche. Son équipe a finalement remporté la finale contre le Témiscouata, une équipe invaincue en saison et qui avait gagné tous ses matchs de championnat avec plus de 10 points d'avance. Lors des championnats provinciaux, en septembre 2023 à Montréal, elle a récolté une moyenne au bâton de 333. Léane a reçu le trophée de l'esprit sportif de son équipe. Selon son entraîneur, elle s'est très bien intégrée dans sa nouvelle équipe. Elle a fait changer la philosophie des jeunes garçons qui jouent avec elle et a su rassembler et encourager tous ses coéquipiers. Elle n'abandonne jamais et prône le positivisme sur le banc. Elle fait également partie de l'équipe féminine U16A en baseball du Bas-Saint-Laurent, en plus de pratiquer le volleyball avec les Sphinx de l'école depuis 2 ans. Bien, félicitations, Léane. L'athlète pour le mois d'août, les athlètes, parce que c'est un club, c'est l'équipe U13 masculin 2A, le club de soccer Le Mondial, et l'entraîneur est Julien Gougel. L'équipe de soccer s'est entraînée 4 heures par semaine pendant 18 semaines. L'équipe U13 masculin 2A a été recommandée pour cet honneur par le club de soccer Le Mondial, assurément en raison de l'excellente saison qu'il a connue. Ses joueurs évoluent dans la Ligue Québec-Est, qui rassemble les équipes des associations régionales de soccer de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Est du Québec et de la Côte-Nord. De toute la saison, la formation est demeurée invaincue, cumulant une impressionnante fiche de 13 victoires, dont 6 en ligne, et 2 matchs nuls. Cette performance a d'ailleurs valu à leur saison d'être qualifiée de rêve par la radio Ciel FM, dont l'article souligne également que les jeunes joueurs ont complètement dominé leur adversaire grâce à leur différentiel positif de 40 points et de 9 jeux blancs. Fait que je vous félicite, je vais vous nommer un après l'autre. Le certificat, puis vous resterez avec nous, puis après ça, on aura une petite surprise à faire. Fait que j'inviterai Yann Beaulieu. Marc-André Deschamps. Aujourd'hui? Oui. Émile Dumont-Michaud. Il n'est pas là. C'est bon, on va le mettre de côté. Lucas Gagnon. Isabelle. Ouais.
Mathis Jean. Maëlle Larivière. Félix Le Chasseur. Alex Létourneau. Bon, Guilherme Otta Carosi. Je sais pas si. C'est correct. Merci. Julien Paré. Félicitations, Julien. Antoine Paris. Alexandre Pigeon. Hein? Justin Raymond. Ouais. Clément Rioux. Ouais. Et Mathias Vielle. J'avais un message à passer. Bon, l'équipe veut rester là, puis on inviterait l'entraîneur, M. Julien, à venir rejoindre ses joueurs. Julien, dans le fond, les jeunes avaient une petite surprise pour toi. Merci. Oui. Merci pour la belle saison. Pas mal. C'est l'équipe de badminton du club de badminton Les Albatros, les entraîneurs M. Luc Saint-Pierre et Mathieu Bélanger, l'école, le collège Notre-Dame. Habituellement, nous reconnaissons un ou deux athlètes par année pour le badminton. Puisqu'il s'agit d'un sport qui se pratique en simple ou en double, cette année toutefois, les honneurs ont été si nombreux que nous reconnaissons exceptionnellement l'ensemble des athlètes du club. Durant les Jeux du Québec, l'équipe de badminton s'entraîne 40 heures semaine par année en raison de 7 à 8 heures par semaine. 40 semaines par année, excusez, en raison de 7 à 8 heures par semaine. Durant les Jeux du Québec de mars dernier, 5 des 6 joueurs de la délégation de l'Est du Québec provenaient du collège. Ceux-ci ont récolté la médaille d'argent en simple masculin et la médaille de bronze en double féminin. Une semaine à peine plus tard, au championnat régional du réseau des sports étudiants du Québec, réunissant 350 athlètes, pas moins de 10 médailles ont été enlevées dans les catégories Benjamin, Cadet et Juvénile. Le club a d'ailleurs remporté 7 bannières sur une possibilité de 8. Lors du championnat provincial Circuit Junior Yonex de Badminton Québec, toujours en mars 2023, 6 médailles ont été remportées en double féminin et masculin et en simple masculin et en double mix. Finalement, 9 joueurs ont fait partie de l'équipe de l'Est du Québec au championnat provincial du réseau du sport étudiant du Québec en avril 2023 à Sainte-Thérèse. Au cumulatif des points, la délégation a enlevé la deuxième place dans la catégorie Benjamin, la première place en cadet et une troisième place en juvénile. Les athlètes du club de badminton du collège sont revenus avec 5 médailles, dont 3 d'or. Félicitations. Je commencerai le certificat pour William Beaulieu. Il n'est pas là. OK. Alexis Boucher. Hein? Tu peux venir, Luc? Oui, on va les nommer quand même. Oui, effectivement. Merci, Luc. Émile Boucher. Il n'est pas là. Vincent Bourgoin.
Hélène Caron. Pas là. Pas là. Justin D'Auteuil. Oui. Juliane Gilbert. Non. Pas là. Olivier Hamel. Non. Non plus. OK, ouais. Thomas Hamel. Laurent Harel. Benjamin Noël. Non. Non plus. Renaud Pelletier. Non plus. Béatrice Prou. Non plus. Amélia Saint-Pierre. Oui. Antoine Vielle. Non plus. Puis toi, tu en avais-tu un? Je sais pas. En tout cas, parce que là, il m'en reste plus. Hein, c'est pas grave. Mais si tu un oubli, c'est juste qu'on vérifiera. Écoute, on regardera. Là. Parce que généralement, si tu es là, c'est parce que tu avais été invité, donc tu devrais en recevoir un, mais on regardera ça avec Marc-Émile. Ben, félicitations. Ben, félicitations. Pour le mois d'octobre, c'est Clovis Bouliane. Il ne peut pas être ici avec nous ce soir. Il est à l'extérieur. Club sportif, le club de tennis, ses parents Amélie Ouellette et Dave Bouliane, l'entraîneur Louis-Charles Gosselin. Malheureusement, Clovis ne pouvait être avec nous ce soir. Il est justement en compétition de tennis. Nous avons convenu avec ses parents que nous présenterions tout de même les faits saillants qui lui valent d'être nommé athlète du mois et que je le remettrai en main propre le certificat ultérieurement. Donc, Clovis Bouliane pratique le tennis depuis son jeune âge, soit depuis 2015. Il pratique une quinzaine d'heures par semaine, pas moins de 48 semaines par année, et est encadré depuis 8 ans par son entraîneur actuel. Lors des tournois des 14 ans et moins, il s'est démarqué à plusieurs reprises et a su enlever les honneurs. À Saint-Augustin, en juillet 2023, où il a remporté une médaille d'argent, à Montréal, en août 2023, une médaille d'or, à Rimouski, en août 2023 aussi, une médaille d'or. Il avait auparavant été récipiendaire d'une médaille d'or lors de la Coupe junior Banque nationale en Beauce, au mois d'octobre 2022, puis gagnant quelques semaines plus tard du tableau de qualification pour se mesurer aux 15 meilleurs joueurs au Québec à Repentigny. Puis gagnant quelques semaines plus tard du tableau de qualification pour se mesurer aux 15 meilleurs... Oh, excusez, je l'avais dit. Clovis travaille fort à l'entraînement et également au niveau scolaire. Son objectif sur le plan sportif serait d'atteindre les plus hauts niveaux possibles. Il est présentement classé 48e dans sa catégorie qui comprend plusieurs centaines d'athlètes. Clovis pratique également le volleyball et le pickleball. Fait que ce qui ferait le tour pour la remise des athlètes. Oui, fait qu'on va tasser le lutrin, fait qu'on va vous inviter là, les athlètes avec les entraîneurs à venir à l'avant pour prendre la photo.
Bonsoir. Tranquillement, pas vite, la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 23 octobre 2023. En 4, dépôt de mise à jour des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. En 5, déclaration de la greffière, adoption du règlement 2148, amendant le règlement 1252, afin de prévoir la construction de logements abordables. En 6, avis de motion, règlement 2151, modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148. Relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. En 7, adoption du projet de règlement 2151, modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148, modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. En 8, avis de motion au règlement 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 9, adoption du projet de règlement 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 10, approbation d'entente du regroupement agglomération 1 relativement à l'achat en commun d'assurance et de dommages. En 11, approbation du projet d'entente en matière de sécurité incendie intervenir avec la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. En 12, approbation d'un protocole d'entente intervenir avec l'Association des pêcheurs sur glace. En 13, modification de la résolution 552-2022 relative au versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. En 14, approbation de lettre d'entente concernant le versement de contributions financières. En 15, approbation d'entente de services intervenant avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 16, approbation du deuxième avenant de la convention d'aide dans le cadre du fonds d'appui au rayonnement des régions. En 17, autorisation au maire de la ville d'apposer sa signature sur la convention de tolérance modifiée et reformulée intervenue entre la Fédération canadienne des municipalités et la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup. En 18, assujettissement d'un immeuble à un droit de préemption immobilier à des fins municipales. En 19, confirmation de permanence au poste de lieutenant au service de sécurité incendie. En 20, confirmation de permanence au poste de journalier saisonnier. En 21, confirmation d'embauche d'un conseiller en santé et sécurité du travail et ressources humaines. En 22, approbation d'une entente de terminaison d'emploi. En 23, adjudication définitive pour le projet STE 2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023-2028. En 24, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-02-24, achat d'une chenillette. En 25, acceptation des directives de changement pour le projet STE 2022-04-13, développement secteur ouest-sud. En 26, indexation du taux d'intérêt sur les créances impayées. En 27, emprunt au fonds de roulement pour financer divers projets d'investissement. En 28, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. En 29, modification de la politique des ponts payants. En 30, achat d'un couvert pour le souper bénéfice organisé par la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud. En 31, approbation des comptes et salaires d'octobre 2023. En 32, proclamation de la journée loup-arrivoise de sensibilisation au cancer de la prostate. En 33, proclamation de la 8e édition
de la Grande Semaine des Tout-Petits. En 34, condoléances à la suite du récent décès de M. Gaétan Saint-Pierre, autrefois conseiller municipal. En 35, condoléances à Mme Stephen Thériault et M. Carl Thériault. En 36, période de questions. 37, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Yves Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 23 octobre 2023. Il est proposé à appuyer que ce conseil adopte le procès-verbal du 23 octobre 2023. André Beaulieu propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, dépôt de mise à jour des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Je dépose devant ce conseil les mises à jour des déclarations d'intérêt pécuniaire du maire, M. Mario Bastille, et des conseillers, M. André Beaulieu, Steve Drapeau, Nelson Lepage et Carl Thériault, ainsi que les conseillères, Mme Édith Samson et Chantal Amstad. Merci. Le point 5, déclaration de la greffière adoption du règlement 2148, amendant le règlement 1252, afin de prévoir la construction de logements abordables. Comme mentionné lors de l'Assemblée publique de consultation du 10 octobre 2023, le règlement 2148 a essentiellement pour but de modifier le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de planifier le développement de l'entrée ouest de la ville. Ces modifications de notre réglementation permettent de modifier sur le terrain situé à l'entrée ouest et qui appartient à la ville l'affectation du sol autrefois réservé aux bretelles autoroutières par une affectation mixte avec habitation afin de concrétiser davantage la vision de développement de ce secteur qui repose sur le modèle proposé par l'organisme Vivre en ville. Modifier dans le secteur du centre commercial et des terrains situés en périphérie de ce dernier l'affectation commerciale locale et régionale par l'affectation mixte avec habitation en vue d'ouvrir la possibilité de réaliser des projets de construction mixte qui comprennent par exemple des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs. Modifier sur la partie du terrain située à l'intersection du boulevard de l'Hôtel de Ville et la rue des Cèdres l'affectation commerciale locale et régionale par l'affectation résidentielle de forte densité afin de faciliter la mise en œuvre de ce terrain vacant. La mise en valeur de ce terrain vacant. Autoriser à l'intérieur des affectations mixtes avec habitations et résidentielles de forte densité les logements adaptés afin de faciliter la réalisation des projets d'habitation pour les personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Le règlement 2148 n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu que ce conseil peut adopter et modifier le plan d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil juge opportun de modifier le règlement 1252 du 28 août 2000 relatif au plan d'urbanisme de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu l'avis de motion donné le 18 septembre dernier. Attendu l'Assemblée publique de consultation tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville sur 65 rue de l'Hôtel de Ville le 10 octobre 2023 à 20h. Attendu qu'à la suite de la dite consultation, ce conseil ne désire faire aucun changement au projet de règlement. Attendu que les étapes suivant l'adoption du présent règlement ont été régulièrement suivies. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. Sonne Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 6, avis de motion au règlement 2151 modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs de la ville. Certains secteurs du territoire, excusez, c'est M. Carl Thériault, conseiller. Merci, M. le maire. Je, Carl Thériault, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai pour adoption le règlement numéro 2151 modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. Le projet de règlement 2151 est disponible sur le site Internet de la Ville à villerdl.ca/règlement et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, Carl. Le point 7, adoption du projet de règlement 2151 modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire.
Attendu que ce conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil a jugé opportun d'adopter le règlement 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. Attendu que ce conseil doit adopter une réglementation de concordance en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu l'avis de motion donné au cours de la séance du Conseil du 13 novembre 2023. En conséquence, il est proposé appuyer que ce Conseil adopte le projet de règlement 2151 annexé à la résolution modifiant le règlement de zonage 1253 en concordance au règlement 2148 modifiant le règlement 1252 relatif au plan d'urbanisme afin de prévoir la construction de logements et de logements abordables dans certains secteurs du territoire. Carl Thériault propose. Il reste un petit peu. Oui, il reste un petit bout à lire. Pardon. Oui. Fixe l'Assemblée publique de consultation lors de la séance du Conseil du 27 novembre 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Cette fois, c'est la bonne. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce que je peux dire qui est important là-dessus cette semaine, dans le journal Info Dimanche, il y aura vraiment l'avis public. Ce soir, on le sait, là, en urbanisme, on fait un dépôt d'un projet de règlement. Puis vous aviez à l'entrée là, les cartes là, qui sont identifiées. Puis pour les gens à la télé, en fin de compte, là, je ne commenterai pas tout le projet de règlement parce qu'on va le faire à la séance du 27 novembre. Mais entre autres, là, il y avait la carte 1, là, l'annexe A. Bon, je les ai vus passer, là, M. Luc, c'est ça, il va les ramener. Mais dans le fond, c'est l'ajout de la zone 15 RD dans la zone 12 PC. Ça, c'est le terrain à l'entrée ouest-nord de la ville, présentement, où il y a un logement qui se construit. On va rajouter une zone 15 RD à même cette zone-là. Fait que c'est sur Hôtel de Ville. Après ça, il y aura l'agrandissement de la zone 10 CB à même la zone 9 CB. Ça, c'est dans le secteur du centre commercial. C'est tout ce qu'il y a, la rue des Marguerites, la rue qui du Walmart, c'est la rue des Cerisiers. Fait que c'est tout ce secteur-là. T'sais, on sait qu'il y a un terrain qui est à côté du centre commercial qui n'est pas occupé. Fait que ça concerne cette zone-là. Puis troisièmement, c'est l'ajout de la zone 21 RC à même la zone 7 CB. Dans le fond, c'est le terrain qui se trouve en avant de chez Maxi, qui est au coin de la rue Hôtel de Ville et des Cèdres. C'est un secteur 7 CB, c'est du commercial. Fait qu'on va inclure une petite zone de résidentiel qui va être dans ce secteur-là. Mais on fera vraiment la nomenclature et la présentation complète là, à la séance du 27 novembre. Le point suivant, c'est le point 8. Avis de motion au règlement 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Alors moi, Edith Sanson, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai pour adoption le projet de règlement numéro 2153, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Le projet de règlement 2153 est disponible sur le site de la Ville au villerdl.ca/règlement et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Edith. Le point 9, adoption du projet de règlement 2153 modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Attendu que ce conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné au cours de la séance du 13 novembre 2023. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2153 annexé à la résolution modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Fixe l'Assemblée publique de consultation lors de la séance du Conseil du 27 novembre 2023 à 20h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup. Edith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci, c'est la même chose. On va le présenter au Conseil du 27 novembre. Il y aura un avis public dans le journal cette semaine dans l'Info Dimanche. En gros, là, je ne sais pas si M. Luc à ma TV, il y a la carte. Ça concerne la rue Témiscouata entre la rue des Cheminots, c'est-à-dire pas loin de la caserne de pompiers, si on veut aller jusqu'à la rue du Carrefour. On va inclure là, les services professionnels dans cette zone-là. Puis en particulier, ça sera un
un service vétérinaire là, qui pourrait aller dans ce secteur-là. Fait que ça va revenir la semaine prochaine. En deux semaines, dans le fond, on va tout présenter là, le projet de règlement à ce moment-là. Le point suivant, le point 10, c'est approbation d'entente du regroupement d'agglomération 1 relative à l'achat en commun d'assurance de dommages. Attendu que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Rivière-du-Loup souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. En conséquence, il est proposé d'appuyer que la Ville de Rivière-du-Loup approuve l'entente du regroupement agglomération 1 relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Autorise le maire et la greffière à signer pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci l'entente intitulée « Entente de regroupement agglomération 1 relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2023-2028 et des services de consultants et de gestionnaires de risques annexés à la résolution pour en faire partie intégrante comme c'est récité au long. » Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Bien, écoutez, je vais vous donner une petite information, ça peut peut-être être intéressant. Dans le fond, il y aura 12 villes dans le regroupement, l'agglomération 1. Les villes qui seront avec nous, il y a la ville de Châteauguay, la ville de Chibougamau, la ville de Cowansville, la ville de Gatineau, la ville de Granby, la ville de Lachute, la ville de Roberval, la ville de Saint-Félicien, la ville de Shawinigan, la municipalité de ville de Thetford Mines, puis la ville de Victoriaville. Dans le fond, ça nous permet justement, puis quand c'est séparé en agglomération comme ça, ça nous permet d'avoir souvent de meilleurs prix. Puis je sais qu'à l'UMQ, il y a d'autres aussi agglomérations là, qui peuvent être de la 2 ou la 3. Il y a d'autres municipalités là, qui sont dans ce groupe-là. Mais nous, c'est les 12 municipalités là, dans lesquelles nous sommes là, pour le regroupement pour les assurances de dommages. Le point 11, approbation du projet d'entente en matière de sécurité incendie intervenir avec la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup et la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil approuve le projet d'entente d'aide mutuelle en matière de protection incendie annexé à la résolution à intervenir avec la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et autorise le maire, le directeur du service de sécurité incendie a signé la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un ajout. On avait déjà une entente de réciprocité avec la municipalité de Saint-Alexandre. Mais dans le fond, ce qu'ils ont demandé d'ajout au contrat, c'est, entre autres, chez Alimasta, ils voulaient avoir plus un volet d'équipe spécialisée. On parle d'espace clos là-bas. Fait que c'est Alimasta qui avait demandé ça à la municipalité de Saint-Alexandre, si c'était possible de conclure une entente avec la Ville de Rivière-du-Loup. Puis c'est ce qu'on fait. Dans le fond, on vient rajouter ce volet-là à notre entente. Le point suivant, le point 12, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec l'Association des pêcheurs sur glace. Il est proposé d'appuyer que ce conseil approuve le projet de protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec l'Association des pêcheurs sur glace de la Rivière-du-Loup pour l'utilisation d'un terrain appartenant à la Ville. Autorise le trésorier à verser une somme de 1 000 à l'organisation. Autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaires à signer ledit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est les mêmes ententes que les autres années. Le point de départ est toujours là, sur la rue de l'Ancrage. Là, il y a un terrain qui appartient à la ville, puis les gens peuvent se rendre là. Par contre, cette année, on donne un montant de 1 000 à l'organisation pour qu'ils puissent organiser justement des activités avec les familles. Là, ça pourrait être une ou deux fois dans l'année de pêche, de faire vivre la pêche sur glace à des gens. Là, dans la politique familiale, on en avait parlé. Fait que c'est pour ça que ce montant-là est là. Le point suivant, point 13, modification de la résolution 552-2022 relative au versement d'une subvention dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Attendu que la résolution 552-2022 du 28 novembre 2022 autorisait le versement d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Attendu qu'il est opportun de modifier la dite résolution afin d'ajouter la copropriétaire du 32 rue Beaubien à titre de récipiendaire de cette aide financière. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil, en conformité des règles contenues dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenue avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide, en vertu du règlement 260-14-1 de la MRC
de Rivière-du-Loup, confirme le versement de l'aide financière suivante. Donc, les récipiendaires, M. Pierre-Éric Isabelle, Mme Juliane Pelletier-Bergeron du 32 rue Beaubien à Rivière-du-Loup, pour la restauration de la toiture en tôle à la canadienne et à baguette de type traditionnel pour un montant maximal de 50 000 $. Que cette résolution modifie à toute fin que de droit la résolution numéro 552-2022 du 28 novembre 2022 sur le même sujet. Édith Samson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 14, approbation de lettre d'entente concernant le versement de contributions financières. Attendu la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil approuve les lettres d'entente annexées à la résolution à intervenir avec l'organisme Sparage et le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup concernant le versement des contributions financières ci-dessous listées et autorise la gestionnaire aux équipements et aux programmes communautaires à signer l'édite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Donc, les organismes. Le premier, Sparage, pour aide financière annuelle récurrente visant à soutenir l'organisme qui offre aux familles démunies des paniers cadeaux culturels et éducatifs durant la période des fêtes pour les années 2023 à 2025, pour un total de 250 $. Et volet bourse, gala et album de finissant pour le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, aide financière ponctuelle pour soutenir la réalisation de l'album de finissant des étudiants de secondaire 5 pour 75 $. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 15, approbation d'entente de service à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve l'entente de service de l'évaluation municipale 2024-2025 annexée à la résolution à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup et autorise le directeur général et le trésorier à signer ladite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, l'entente va être pour 2 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Puis on parle d'un coût, là, pour l'année précédente, c'était 12 $ du dossier. Là, c'est augmenté, ça va être à 13 $ du dossier là, pour l'évaluation. Le point 16, approbation du deuxième avenant à la convention d'aide financière dans le cadre du fonds d'appui au rayonnement des régions. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance du deuxième avenant à la convention d'aide financière dans le cadre du fonds d'appui au rayonnement des régions, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le deuxième avenant à la convention d'aide financière dans le cadre du fonds d'appui au rayonnement des régions numéro 2018-006-237, annexé à la résolution, à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et autorise le directeur général à signer ledit avenant pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un montant là, qu'on devrait recevoir un 500 000 $. On va pouvoir l'appliquer là, sur les travaux qui se font au camping municipal. Ce que je vous avais dit, c'était qu'au camping municipal, c'était des travaux évalués à peu près 1,5 million. Ça allait être remboursé à même les revenus du camping. Si on veut, c'est eux qui payaient la dépense. À ce moment-là, on va pouvoir appliquer sur le montant. Donc, il y aura une emprunte moins. Là, on va pouvoir emprunter peut-être moins. On pourra emprunter peut-être 1 million à ce moment-là, ou 1,5 million. Ils vont rembourser aussi, mais ça va leur permettre à ce moment-là peut-être de faire d'autres investissements sur le terrain de camping. Puis au lieu de nous payer à nous, bien, ils auront l'argent pour le faire de leur côté. Fait que c'est 500 000 $-là, écoutez, il remonte à loin. Là. C'est le fort avait octroyé ce montant-là dans le cadre du Carrefour maritime. Puis plutôt que le perdre, bien, on a fait, l'équipe administrative a fait beaucoup de démarches pour pouvoir mettre la main sur ce 500 000 $-là. Mais il fallait que ça soit appliqué dans le cadre aussi de travaux de ce genre-là. Donc, ça tombe juste bien qu'on puisse l'affecter aux travaux du camping. Le point suivant, le point 17, autorisation au maire de la Ville d'apposer sa signature sur la convention de tolérance modifiée et reformulée intervenue entre la Fédération canadienne des municipalités et la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance de la convention de tolérance modifiée et reformulée intervenue entre la Fédération canadienne des municipalités et la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup doit intervenir à titre de caution des obligations contenues à la dite convention, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup reconnaît avoir lu et accepté les termes et conditions de la convention de tolérance modifiée et reformulée, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup reconnaît avoir lu et accepté les termes et conditions de la convention d'amendement.
En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le maire à apposer sa signature sur la convention de tolérance modifiée et reformulée, annexée à la résolution, intervenue entre la Fédération canadienne des municipalités et la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, cette entente-là vient dire que la CMR ne payera pas le capital du prêt de la FCM jusqu'en avril 2025. Donc, l'entente, c'était du mois d'octobre 2023 jusqu'en avril 2025. On va payer seulement l'intérêt. Il n'y aura pas de versement capital là, sur la dette parce qu'on est obligé de signer l'entente, parce que la Fédération canadienne des municipalités, dans le fond, c'est la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC qui avaient endossé cet emprunt-là. Fait que ça prenait l'autorisation de la Ville et de la MRC pour pouvoir dire bien, qu'on va suspendre le versement capital, mais qu'on va payer seulement les intérêts. Le point 18, assujettissement d'un immeuble à un droit de préemption immobilier à des fins municipales. Attendu l'adoption par ce conseil du règlement 2135 sur le droit de préemption immobilier à des fins municipales entré en vigueur le 10 mai 2023, attendu qu'il revient au conseil d'identifier par résolution les immeubles sur lesquels peuvent être inscrits un avis d'assujettissement au droit de préemption municipale, attendu que, par la présente résolution, le conseil souhaite assujettir au droit de préemption municipale l'immeuble suivant. Un immeuble étant connu et désigné comme étant le lot numéro 3 749 276 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata. Attendu que cet immeuble n'est pas la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents et des organismes publics et la protection des renseignements personnels et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil identifie l'immeuble suivant comme étant assujetti au droit de préemption municipale, conformément à l'article 5 du règlement 2135 précité, l'adresse 0 rue de l'Ancrage, matricule 7502-40-16-51-0-0000-0000, lot 3 749 276, propriétaire 2429-6220, Québec Inc. Spécifie que l'avis d'assujettissement sera valide pour une période de 10 ans suivant son inscription au registre foncier. Précise que les fins municipales auxquelles cet immeuble pourra être acquis sont les suivantes. Les parcs, la sécurité, le transport, la voirie, les infrastructures publiques, les services d'utilité publique, ainsi qu'à titre de réserve foncière. Autorise en conséquence la greffière à procéder à la préparation d'un avis d'assujettissement et à le faire notifier et inscrire au registre foncier, tel que prévu à l'article 6 du règlement 2135 précité. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Je vais vous situer un petit peu, là, parce que le matricule, là, puis zéro de l'ancrage, puis le lot, là, 3 749 276, pour vous situer, c'est un terrain qui est à l'entrée du sur la rue de l'ancrage. On a un secteur qu'on peut aller marcher là, à côté du château de Noël. Là. Il y a un terrain qui est là, il y a des stationnements qui peuvent être là. Donc, on vient faire un droit de préemption de 10 ans sur ce terrain-là. Advenant le cas que bon, le propriétaire déciderait de le vendre, bien, tu sais, la Ville aurait un droit de regard. Dans le fond, on vient de se préserver un droit d'acquérir ce terrain-là pour les 10 prochaines années. Le point suivant, le point 19, confirmation de permanence au poste de lieutenant au service de sécurité incendie. Attendu que la période d'essai de messieurs Marc Tremblay et Jean-Philippe April est arrivée à échéance, attendu que les rapports d'évaluation complétés par le chef aux opérations de service de sécurité incendie démontrent que ces derniers répondent à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'ils ont atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de lieutenant, attendu que la période d'essai accomplie permet de confirmer qu'ils ont atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de leurs fonctions et de leurs responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Marc Tremblay à titre de lieutenant à compter du 10 novembre 2023 et de M. Jean-Philippe April à titre de lieutenant à compter du 28 novembre 2023, tous deux à la caserne de Kakuna, conformément aux dispositions de la convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, le salaire d'un lieutenant, là, c'est en formation, c'est 19,93 $. En intervention, c'est 27,50 $. Puis pour les autres tâches, c'est 25,50 $. Le point 20, confirmation de permanence au poste de journalier saisonnier.
Attendu que la période de probation de messieurs Jean-Guy Bérubé, Félix Lortie et Maxime Ouellet arrive à échéance, attendu que leur rapport d'évaluation complété par leurs contremaîtres respectifs au service technique et de l'environnement démontre que ces derniers répondent à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'ils ont atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de journalier saisonnier, attendu que leur période de probation accomplie permet de confirmer qu'ils ont atteint les niveaux d'exigence technique et comportementale adéquats pour remplir les devoirs de leurs fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, confirme les permanences de M. Jean-Guy Bérubé, Félix Lortie et Maxime Ouellet au terme des 1040 heures effectuées au poste de journalier régulier saisonnier au service technique et de l'environnement, conformément aux dispositions contenues à la convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. Édith Samson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, des postes de saisonnier, de journalier saisonnier, c'est une classe 8 qui comporte 7 échelons, qui débute à 20 $, 37 $ jusqu'à 29 $ et 11. Le point 21, confirmation d'embauche d'un conseiller en santé, sécurité du travail et ressources humaines. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du potentiel humain, procède à l'embauche de M. Jean-Félix Laplante à titre de conseiller en santé et sécurité du travail et ressources humaines à compter du 4 décembre 2023 et que sa rémunération soit fixée à l'échelon 1 de la classe 4 des conditions de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Bon, la classe 4, ça comporte 10 échelons qui débutent à 72 682 à 95 605 Le point 22, approbation d'une entente de terminaison d'emploi. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve l'entente de terminaison d'emploi de transaction et quittance à intervenir avec l'employé numéro 729 et autorise le directeur du service du potentiel humain à signer la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 23, adjudication définitive pour le projet STE 2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023 à 2028. Attendu la résolution 198-2023 du 8 mai 2023, par laquelle ce conseil a procédé à l'octroi conditionnel d'un contrat à gestion sanitaire MM incorporé pour le projet STE-2023-01-17, exploitation du lieu d'enfouissement technique 2023-2028. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du gestionnaire en environnement division matières résiduelles, autorise l'octroi définitif pour le projet STE-2023-01-17, exploitation et entretien du lieu d'enfouissement technique de 2023 à 2028 à gestion sanitaire M&M incorporée au montant de 4 778 826,35 $ taxes en su et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que cette résolution modifie la résolution 198-2023 du 8 mai 2023 sur le même sujet. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est ça. On vient dire qu'en mai dernier, là, c'était le plus beau soumissionnaire qui avait remporté la mise. Par contre, on voulait avoir une période là, de probation, exactement, merci, pour voir si le travail allait être convenable, puis le travail se fait très bien. Donc, ce soir, on vient vraiment comme signifier là, que c'est le groupe gestion sanitaire M&M incorporé qui vient de... qui a le contrat là, pour jusqu'en 2028. Le 24, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-02-24, achat d'une chenillette. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation du chef de la division travaux publics, accepte la soumission de les équipements plans en or incorporés au montant de 213 000 taxes en su pour le projet STE-2023-02-24, achat d'une chenillette et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Bien, il y avait juste un soumissionnaire, là, puis c'est les équipements plans or incorporés. Le point 25, acceptation de directive de changement pour le projet STE 2022-04-13, développement secteur ouest-sud. Attendu l'appel d'offres STE-2022-04-13, développement secteur ouest, attendu que les directives de changement ont été émises, attendu que ces dépenses sont payées à même le budget de contingence de 10 % prévu au règlement d'emprunt, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal, M. Pascal Gamache, accepte la liste des directives de changement datées du 2 novembre 2023, annexée à la résolution.
totalisant une somme de 303 773,94 taxes en su dans le cadre de l'appel d'offres STA-2022-04-13 et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Bon, c'est le premier ordre de changement qu'on a pour ce contrat-là. Écoutez, on avait mis le 10 % de frais de contingence. Ça représentait 531 666,76. Présentement, là, avec ce qu'on octroie ce soir, le 303 773,94, ça représente 5,71 %. Donc, sur le contrat, bien, là, je dirais sur les frais de contingence total, il nous reste là, un montant disponible de 227 892,82. Ce que je peux vous dire au niveau des ordres de changement, là, je vous ai fait une espèce de petit wrap-up parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mais bon, l'ordre de changement 6, la 11 et la 16, ça fait un total de 74 000. Ça dit entre autres là, que le contrat ne prévoyait pas de drain de chaussée. Lors des travaux, l'entrepreneur et le laboratoire et la firme d'ingénierie ont constaté un apport important d'eau souterraine et de surface, puis on a jugé qu'il était nécessaire de mettre en place ces drains pour assurer la pérennité à long terme de l'infrastructure routière. Il y a l'ordre de changement 08 au montant de 110 300 $. Lors des travaux d'excavation, de remblai, de compaction, la ville, le laboratoire et l'ingénieur consultant, on a constaté que le matériel, c'est-à-dire le sol, était de qualité moyenne pour sa réutilisation sur la structure de chaussée, puis qu'il y avait un risque à moyen et long terme que des mouvements importants puissent se produire. Puis on a juste à penser là, justement le carrefour giratoire, fait que c'était à peu près le même matériel qui était en dessous, fait qu'on a demandé à l'entrepreneur d'en disposer puis d'utiliser un matériel de meilleure qualité. Après ça, l'ordre de changement 14, au montant de 28 550 $, remplacement de deux entrées de service en aqueduc de 25 mm pour deux entrées de service, on les a mis à 150 mm, d'ailleurs pour permettre la protection incendie par gicleur sur deux terrains. L'ordre de changement 24, au montant de 41 666. Comme le ministère des Transports, la ville exige l'utilisation d'un VTM, c'est-à-dire un véhicule de transfert pour la pose de revêtements bitumineux. Cette exigence n'avait pas été prévue au document d'appel d'offres réalisé par notre consultant. Puis le véhicule de transfert, dans le fond, il est adapté pour recevoir le chargement des camions en continu, c'est-à-dire qu'on amène l'asphalte, le bitume, puis ça permet d'emmagasiner le mélange, puis ça permet d'emmagasiner et de mélanger une quantité importante, favorisant le maintien et l'uniformisation de la température du mélange, c'est-à-dire que c'est tout le temps à température constante, puis à ce moment-là, on obtient de meilleurs résultats avec des températures plus homogènes, puis on s'attend qu'il y aura une qualité puis une durée de vie plus longue à ce moment-là. Fait que ça fait le tour là, pour le total là, du 303 000 de frais de contingence. Bon, on est rendu au point 26, indexation du taux d'intérêt sur les créances impayées. Attendu que l'article 481 de la loi sur les cités et villes autorise ce conseil à décréter par résolution un taux d'intérêt s'appliquant à toutes les créances à payer. Attendu que l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale permet de décréter qu'une pénalité soit ajoutée au montant des taxes qui demeurent impayées à l'expiration du délai fixé dans la demande de paiement. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil fixe un taux d'intérêt de 10 % s'appliquant à toutes les créances impayées à l'expiration du délai, soit 0,83 % par mois à compter du 1er janvier 2024, décrète qu'une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année soit ajouté au montant des taxes qui demeurent impayées à l'expiration du délai fixé dans la demande de paiement, que cette résolution modifie et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 662-2016 du 12 décembre 2016 sur le même sujet. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, on vient s'ajuster au marché. Puis ce qui a été entendu, c'est bien évident que si l'année prochaine, ça c'est pour l'année 2024, mais advenant le cas qu'en 2025, les taux d'intérêt pourraient baisser, bon, on fera une résolution à ce moment-là pour baisser notre taux, nous aussi. Mais là, c'est important de y aller avec ce qui se passe dans le marché. On n'a comme pas le choix non plus. Fait que c'est pour ça qu'on le fait à ce moment-là. Le point 27, emprunt au fonds de roulement pour financer divers projets d'investissement. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à procéder à l'emprunt au fonds de roulement des sommes ci-dessous détaillées.
Donc, pour le projet véhicule utilitaire sport incendie, un emprunt de 51 135 $ sur un amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 10 327 $, date du premier remboursement le 15 juin 2024. Tracteur pour les parcs, emprunt de 44 090 $ sur un amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 8 818 $, premier remboursement le 15 mars 2024. Outils de désincarcération, emprunt de 44 045 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 8 809 $, date du premier remboursement, 15 juin 2024. Déploiement de bornes de recharge, un emprunt de 33 590 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 6 718 $, date du premier remboursement, 15 juin 2024. Camionnette ingénierie, emprunt de 66 020 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 13 204 $, date du premier remboursement, 15 juin 2024. Outils manuels, emprunt de 19 500 $, amortissement 3 ans, remboursement annuel 6 500 $, date du premier remboursement, 15 juin 2024. Entretien et maintenance au lieu d'enfouissement technique, emprunt de 65 000 $, amortissement de 5 ans, remboursement annuel de 33 000 $ et date du premier remboursement 15 juin 2024, pour un total de 423 880 $. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Bon, juste pour donner des petits chiffres un peu, dans le fonds de roulement, là, vous savez que le maximum qu'on a atteint, là, on est à 8 350 000. Ça, c'est le fonds qu'on s'est créé au fur et à mesure des années, qu'on mettait un 300 000 par année. Avec les montants qu'on vient d'affecter ce soir, ce qui est utilisé sur le 8 millions, là, c'est 3 000 059 000. Ça, c'est utilisé, ce qui nous reste un montant disponible de 5 291 000. Le point 28, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, attendu que la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre de ce programme, en conséquence, il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que ce conseil autorise la gestionnaire en environnement Division des eaux, Mme Geneviève Pigeon, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable et l'autorise à signer tous les documents relatifs à cette demande pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce programme-là, là, c'est une aide maximale admissible, c'est 145 000. Puis, écoutez, je reprends ça. On est admissible à une aide financière de 70 % puis le maximum, c'est 145 000 des dépenses maximales admissibles. C'est-à-dire qu'on pourrait recevoir, grosso modo, là, 70 % de 145 000, ça fait 111 000 ou 115 000 à peu près là, que j'avais compté. Fait que c'est important, là, justement, de faire le tour de ça puis de préserver, bien évidemment, nos sources d'eau potable. Là, fait que il y aura quelque chose qui sera fait du travail qui sera fait à ce niveau-là. Le point 29, modification de la politique des ponts payants. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'est dotée d'une politique sur les ponts payants en 2008, attendu que celle-ci a comme objectif de limiter le nombre d'activités sur une année et d'assurer la sécurité des bénévoles, attendu qu'il y a lieu d'actualiser la dite politique, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil actualise la politique des ponts payants datée du 10 novembre 2022 et modifiée le 2 novembre 2023 afin d'y inclure la guignolée des médias et de préciser certaines modalités en lien avec les ponts du partage. André Brolier propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, il n'y a pas vraiment... La modification, c'est qu'on vient rajouter vraiment la guignolée des médias parce que ça se fait tous les ans. Fait que c'était ça vraiment le gros enjeu, si on veut, là, pour la modification de la politique. Monsieur le maire, si vous permettez, au point précédent, c'est que le maximum admissible aurait été de 145 000. Par contre, la proposition qu'on... Oui, c'est 69 700. Donc, ça nous donne droit à une subvention de 48 790 $. Sur un projet de 69 000 à peu près. C'est ça. Okay. Merci. Merci, Monsieur Lagacé. Le point 30, achat d'un couvert pour le souper bénéfice organisé par la Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 80 $ taxes incluses à la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud pour l'achat d'un couvert à l'occasion d'un souper bénéfice de l'organisme qui se tiendra le 25 novembre 2023 et désigne la conseillère Mme Édith Samson pour y représenter la Ville. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 31, approbation des comptes et salaires d'octobre 2023.
Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste d'octobre 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin la dite liste au montant de 5 874 842,61 $. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bon, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en a pour 5 018 217,52 $. On avait la rémunération, la paye 21, la paye 22 pour un montant de 593 002,09 $. Au niveau du service de la dette, on a payé en intérêt 263 623, ce qui nous fait là un grand total de 5 874 842,61 $. Le point 32, proclamation de la journée Loup-Périvoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Attendu qu'annuellement, en moyenne, 6 400 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 950 décéderont de cette maladie. Attendu qu'en moyenne, 18 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Attendu que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis au Québec. Attendu l'importance de sensibiliser la population des Loup-Périvois au dépistage du cancer de la prostate, attendu que la campagne de financement novembre de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil proclame le 19 novembre 2023, journée Loup-Périvoise de la sensibilisation au cancer de la prostate novembre. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bon, je proclame la journée du 19 novembre 2023, journée Loup-Périvoise de la sensibilisation au cancer de la prostate novembre, et souligne l'importance d'un dépistage précoce du cancer de la prostate pour sauver des vies. Le point 33, proclamation de la 8e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. Attendu que la 8e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 20 au 26 novembre 2023, attendu que cette semaine se tient sous le thème « S'élever ensemble pour le respect des droits des Tout-Petits », en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 20 au 26 novembre 2023 la Grande Semaine des Tout-Petits. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame la semaine du 20 au 26 novembre 2023, la Grande Semaine des Tout-Petits, qui se déroule sous le thème « S'élever ensemble pour le respect des droits des Tout-Petits » et souligne l'importance de nous assurer du respect des droits de l'ensemble des Tout-Petits de notre communauté. Point 34, condoléances à la suite du récent décès de M. Gaétan Saint-Pierre, autrefois conseiller municipal. Il est proposé d'appuyer que ce conseil transmette ses plus sincères condoléances à Mme Carmen Bérubé, ainsi qu'aux membres de famille Saint-Pierre et Bérubé, à la suite du récent décès de M. Gaétan Saint-Pierre, autrefois conseiller municipal du district de l'Estuaire, de 2005 à 2013. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 35, condoléances à Mme Steven Thériault et M. Carl Thériault. Il est proposé d'appuyer que ce conseil, à la suite du récent décès de M. Jacques Morin, transmette ses plus sincères condoléances à sa conjointe, Mme Steven Thériault, brigadière scolaire à la Ville, à leur fille, ainsi qu'à son beau-frère et conseiller du district de la Pointe, M. Carl Thériault, et l'ensemble des membres de la famille Morin et Thériault. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, c'est rendu à la période de questions. On ferait le tour de table. Madame Sanson. Oui, alors on vient juste de souligner le point. Alors, dans le cadre de la semaine des tout-petits, s'élever ensemble pour le respect des droits des tout-petits, bien, il est de notre devoir que les tout-petits, indépendamment de leur contexte de vie individuel, bénéficient des mêmes droits. Parce que les tout-petits ont droit à un gouvernement qui s'assure que leurs droits soient respectés, à une éducation de qualité, à de meilleurs soins de santé possibles, à de la nourriture, des vêtements et un endroit sûr où vivre. Parce que les tout-petits ont aussi le droit de conserver leur langue, leur religion, leur culture au sein de leur communauté, avoir une famille aimante et d'être entouré d'une communauté bienveillante et être protégé contre toutes les formes de discrimination. Parce que connaître et respecter les droits des tout-petits, c'est aussi y contribuer. Alors, j'en profite pour dire merci à tous les parents d'être là, soutenant auprès de leurs enfants, tous les intervenants en service de garde et au niveau scolaire également, parce que sans eux, nous tout-petits ne seraient pas aussi bien outillés pour devenir des grands.
Merci. Merci, Edith. Monsieur Lepage? Oui, Monsieur le maire, juste un petit commentaire là, pour stationnement de nuit qui va débuter le 15 novembre. Mm-hmm. Alors, c'est ça. C'est à compter de mercredi que les citoyens et les visiteurs qui souhaitent laisser leur véhicule garé en bordure des rues entre 23h et 7h devront être vigilants. Alors, tout au cours de l'hiver, il revient aux conducteurs, aux propriétaires de véhicules de vérifier si une opération est imminente avant de laisser sa voiture ou tout autre véhicule routier sur la voie publique. Quand une opération nocturne s'organise, bien, elle sera annoncée au plus tard à partir de 18h sur le site villerdl.ca avec une capsule d'alerte dans le menu principal par message vocal au 867-6717. Par courriel aux abonnés inscrits au portail citoyen. Les propriétaires des véhicules qui auront laissé sur la voie publique, là, quand il va y avoir des opérations, bien, s'exposent à recevoir des constats d'infraction et avoir le véhicule remorqué en plus de devoir en assumer les frais du remorquage. Alors, à noter. Merci. C'est ça, l'année passée, ça a été notre première année. Bon, ce que j'ai vu aujourd'hui, il y avait eu 568 contraventions ou à peu près. Fait que dans le fond, c'est notre responsabilité comme propriétaire d'un véhicule de s'informer. Je pense qu'on a mis à la disposition des citoyens des différentes méthodes, justement, pour s'informer. Fait qu'on vous lance le dans le fond, je vous donne le ballon, puis je me dis, bien, prenez la peine de regarder vraiment dans les diverses informations si le stationnement de nuit est permis. Je pense qu'il y a plus d'avantages à le permettre que d'inconvénients, mais il s'agit bien évidemment de s'informer en conséquence. M. Drapeau, avez-vous quelque chose? Juste un petit commentaire par rapport à être justement en mode prévention. On a fait le changement d'heure récemment. Mm-hmm. La neige n'est pas encore arrivée, c'est correct pour l'instant, mais c'est plus difficile un petit peu de voir les gens en déplacement, période scolaire, tout ça. Fait qu'inviter les gens, les citoyens à être prudents et à peut-être modérer un petit peu le transport jusqu'à temps que la période hivernale nous amène un peu de clarté. Oui, effectivement. Et à être prudent. Merci, merci Steve. Non. Monsieur Carl? Oui, tout simplement, Monsieur le maire, pour vous remercier, ainsi que les membres du conseil pour les condoléances adressées à ma sœur et aux membres des familles Thériault et Morin, suite au décès de mon beau-frère Jacques Morin, qui était un fidèle auditeur à ces heures-ci, là, des séances télévisées du conseil, du début jusqu'à la fin, jusqu'après la période des questions. Il m'en parlait dans les jours qui suivaient. Il était bien informé. Comme ma sœur est brigadière, ben, je voudrais en profiter pour souligner le travail des brigadiers et des brigadières qui, beau temps, mauvais temps, sont au poste pour la sécurité de nos enfants et, comme on disait si bien tantôt, là, de nos tout-petits. Mm-hmm. Merci, M. le maire. Merci, Carl. Chantal? C'est beau pour moi ce soir. Ça marche, merci. Y avait-tu des suivis de la dernière séance? Hein? Oui, bien, M. Levasseur qui avait demandé pourquoi on ne présentait pas de demande d'aide financière pour la fête nationale. Donc, les demandes de d'aide financière, de subvention, ça ouvre juste à la fin du mois de mars. Okay. Donc, on va le faire au mois de mars. L'autre question, c'était concernant le dossier juridique 250-22-003-799-223. Donc, effectivement, c'est une réclamation qui suit un bris d'aqueduc et des dommages. Comme les procédures sont en cours, ben on ne fera pas de commentaires là-dedans, mais c'est effectivement là, un problème de refoulement d'eau. Ça marche. Merci. Merci bien. Période de questions sur l'ordre du jour. Je vous invite au micro. Posez s'il y a des questions sur l'ordre du jour. Oui, bonsoir. Daniel Levasseur. À l'article 17. C'est l'autorisation. C'est pour la tolérance. Oui, oui. Sur la convention des tolérances modifiées, on parlait que vous allez payer justement des intérêts, pas de capital. Oui. Quel est le montant? Le montant des intérêts, écoutez, ça se fait en... Il va y avoir trois paiements. Là, il y a eu un paiement en octobre cette année. Il va y avoir en avril, puis en octobre l'année prochaine, trois paiements. Écoutez, c'est 62 000 à chaque fois. Là. Ça doit faire 186 000 au total. Là. Merci. Numéro 25. Oui.
On parle d'un changement sur le taux d'intérêt sur les arriérages. Okay, excusez, 26. Ouais, okay. Excusez. Oui. Indexation du taux d'intérêt sur les créances impayées. Mm-hmm. Pourquoi qu'on augmente les taux d'intérêt pour les créances impayées versus le coût de la vie d'aujourd'hui puis ce qui se passe au niveau de l'inflation? Bien, écoutez, on a eu effectivement une discussion là-dessus. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de comptes impayés, mais par contre, au niveau de Revenu Québec, là, on a pris le taux de Revenu Québec. On n'est pas plus haut que les autres taux. On parle de 80,83 % par mois. C'est sûr que comparativement une carte de crédit à du 20 % par mois, on est bien dans le dessous de ça. Mais par contre, bien écoutez, on fait juste suivre ce qui se passe. Puis avec Revenu Québec, c'est ce montant-là. Fait qu'il nous a été conseillé aux élus d'aller dans cette direction-là. Puis si ça devenait le cas, bien nous autres, ce qu'on voulait se garantir, c'était pas 10 % pour tout le temps, mais c'est 10 % par année ou 0,83 % par mois. Là. C'est sûr que quelqu'un qui prend deux mois, c'est sûr que quelqu'un qui vient prendre une entente, là, on parle de gens, des fois, qui, après plusieurs avis, après plusieurs appels, après, tu sais, des gens qui traînent en longueur, là. Puis des fois, je vous dirais, en toute honnêteté, c'est pas nécessairement des gens qui ont des grands besoins financiers, là. C'est pas tous ceux qui ont de la misère qui payent pas, là. Il y a des gens qui sont négligents à travers de ça, puis je pense que peut-être ça peut les faire réagir à ce moment-là s'ils payent un petit peu plus cher d'intérêt. Mais c'est juste ça. Puis je comprends, on a eu la même discussion. M. Thériault est arrivé avec ça en se disant, bien, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, si on devient vraiment comme... on chargeait 5 % je ne me trompe pas, je pense, ou à peu près. On est à 6 % présentement. 6%. Puis, c'est un principe de saine gestion publique de suivre les taux d'intérêt qui sont proposés justement par le ministère du Revenu du Québec. Bien, j'imagine que pour la ville de Rivière-du-Loup, c'est pas un montant là, qui est extravagant. Là. Moi, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le montant. Non, je ne veux pas le savoir non plus. Sauf que de 6 % à 10 %, hein, pourquoi pas aider ces gens-là s'ils sont déjà de la misère à vouloir à payer les taxes? On les charge 10 % de frais pour les taxes impayées. Puis en plus, on les charge encore un autre 5 % si ma mémoire est bonne, pour l'arriérage des intérêts. On peut-tu se limiter un peu? C'est pas ça qui va mettre la ville de Rivière-du-Loup en faillite, non? C'est beau suivre, mais on peut savoir de l'initiative à la ville de Rivière-du-Loup. Bien, écoutez, je sais que, tu sais, des fois, les discussions qu'on a eues, c'est qu'on veut pas non plus qu'à travers tout ça, on soit le créancier qui charge, bien, ou ce que les gens disent, « Ah, oh, c'est pas grave, la ville, elle nous charge pas cher d'intérêt, on va aller payer d'autres bébelles. » Mais nous autres, on a besoin de liquidité aussi pour fonctionner. Fait qu'on veut pas que les gens se viennent se... Comment je dirais bien ça? Payer d'autres créances, puis que ce soit la ville par la banque, tu ne payes pas tes taxes, puis tu payes d'autres choses parce que la ville te charge moins cher qu'ailleurs. Il y avait ça aussi qu'on a discuté, puis tu sais, la recommandation, puis comme M. Lagacé disait, bien, tu sais, la gestion des finances publiques, là, ça nous appartient à nous autres, là, puis tu sais, on n'est pas là non plus pour faire la charité, je comprends. Mais les gens qui veulent prendre des ententes de paiement, bon, on les accompagne. Tu sais, les gens qui sauvent, ça, c'est une autre affaire. Mais il y a des gens là, qui ont de la misère, bien, on va les aider, mais ils nous appellent puis ils prennent une entente avec nous. Mais les gens qui sauvent, là, bien, ça, c'est d'autres choses. Tu sais, il y a du monde, là, le chèque est dans le mal. Là. Merci. 25. Acceptation de directive de changement pour le projet STE 2022-0413. Mm-hmm. Ça, c'est quel projet que c'est, ça? Ah, c'est vrai. Bien, écoutez, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'entrée ouest-sud. Là, c'est ce qui se trouve être en arrière de l'hôtel universel. Là. C'est la nouvelle rue qu'on a fait là. OK, ouest-sud. OK. Oui, oui. OK. Il y a toujours un problème avec, moi, des changements de projet. On a fait affaire avec des ingénieurs qui ont supposé avoir sorti tout ce qu'ils devaient avoir sorti. On a trouvé des moyens que de ne pas avoir... soit qu'on n'a pas perforé pour savoir comment était le sol ou le sol comment il était. Là, on a des frais pour ça. On a des frais qui ont été mis pour une machine VPN, si j'ai bien compris. Ouais, ça, je sais que c'est une machine qui va quand on fait l'asphalte, là. Oui. Bon, c'était pas que ce qu'on fait affaire, qu'il y a des ingénieurs avaient des choses de conseil et même aux équipements ici à Rivière-du-Loup, on n'a pas pensé à ça, de mettre ça, cette machine-là, quand on fait l'asphalte. Et là, on se retrouve avec quelques milliers de dollars pour mettre cette machine-là. Et
d'après ce que je peux voir, il y a eu 24 avenants ou changements. Là. Parce que ça, c'est le numéro 24, la machine VPN. Oui, bien, c'est ça. Bon, les ordres de changement, là, 6, ouais, 24, là, c'est peut-être un petit peu moins. Moi, je vous ai dit, ouais, c'est DC24, effectivement. Oui, bien, écoutez. Oui, bien, c'est sûr qu'au moins. T'sais, on s'était mis un buffer là, avec les frais de contingence, mais je comprends ce que vous dites. Puis des fois, on se pose la même question, pourquoi que vous n'avez pas pensé à ça avant? C'est sûr qu'on se dit ça. Nous, on le voit un peu de l'extérieur en se disant, moi, je ne suis pas ingénieur, là, mais je me dis, ben c'est-tu des affaires qu'on aurait dû penser? Mais je pense qu'ils font le possible à travers tout ça. C'est sûr que dans ce dossier-là, puis je ne veux pas excuser personne, mais l'ingénieur qui s'occupait de nous autres a changé d'emploi. Fait qu'on a recommencé avec un nouvel ingénieur dans le privé. Y a-tu eu des oublis à travers les échanges des dossiers entre lui qui a quitté puis celui-là, le nouveau qui est arrivé? Mais tu sais, le constat est ça pareil. Puis je suis d'accord avec vous, là, M. Levasseur, là, qu'à un moment donné, est-ce qu'on pourrait prévoir ces choses-là? Bien, je pense qu'on peut sûrement prévoir. Tu sais, surtout au niveau de l'asphalte, de dire, bien, on aurait eu besoin, dans l'appel d'offre, de dire, bien, on va avoir besoin d'un camion VTM, je pense, ou quelque chose du genre, pour arriver, puis justement avoir une température constante du bitume pour qu'il y ait une meilleure qualité dans l'asphaltage, dans l'épandage. Mais, tu sais, pas ingénieur, malheureusement. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si M. Lagacé, vous avez un complément. Là. Écoutez, je pense que dans ce dossier-là, les deux plus gros changements concernent de l'enlèvement de l'argile. Tout à fait. C'est sûr que vous avez raison, M. Levasseur. Il y a des tests de sol qui sont pris. Mais quand vient le temps de réaliser les travaux puis qu'on réalise que la quantité d'argile qui est là est plus importante que ce qui avait été estimé ou prévu. Les ingénieurs ont recommandé effectivement d'enlever ce matériel-là puis de mettre un matériel granulaire de meilleure portée pour que les travaux puissent durer plus longtemps. Ces deux items-là, là, ensemble, ça fait exactement 212 000 $ sur 303, ouais, 303. Que M. Bastille a expliqué. Écoutez, ces projets-là sont toujours faits à partir de tests de sol qui ont été faits, mais en cours de route. Je vais comparer ça quand vous faites des réparations dans votre maison. Puis qu'à un moment donné, bien, vous enlevez un mur, puis vous réalisez que, oups, il y a de quoi qui n'était pas tout à fait comme on s'attendait qu'elle allait être. Puis, bien, on fait toujours pour le mieux, puis pour que ça dure le plus longtemps possible. On a tous le même objectif dans ça. L'autre élément que j'ajouterais, c'est sûr que si on essaie de prévoir l'imprévisible lors d'appels d'offres, bien, il faut s'attendre qu'il y a un coût à ça aussi. Et c'est à ça que ça sert, les frais de contingence, à prévoir les choses qui peuvent finalement se réaliser un peu de façon différente. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter là-dessus. Là. C'est à ça que ça sert, les frais de contingence. Oui, je peux comprendre que les frais de contingence servent à ça, là. Mais au niveau du sous-sol, de découvrir que s'il n'est pas portable versus ce qu'il va avoir là, ça aurait dû être fait avant et inclus dans le prix au départ. Bien, comme je vous dis, il y a des tests qui ont été faits, mais la réalité a été plus problématique. Ces tests-là, on paye pour ça. On a payé pour les faire ces tests-là. Tout à fait. Mais vous savez, on va faire des échantillons, peut-être 5 ou 6 prélèvements sur un terrain qui est quand même grand. 40 fois grand comme ici. Là. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus faire tellement de tests partout. Puis encore là, si on veut être parfait puis pas se tromper, il va y avoir trop de coûts sur les laboratoires. Ça fait qu'on y va sur des prévisions en fonction des échantillons qui ont été pris. Merci. Je vais revenir. Je vais trouver. Merci. Pas de problème, M. Levasseur. Bonsoir, Roger Plante. Bonsoir. Je voudrais savoir au point 10. 10. Bon, au niveau de l'assurance de dommages. Oui. Si j'ai bien compris, c'est un contrat qui serait pour 4 ans. Oui, 23, 28, 5 ans. Oui. Mm-hmm. Ça voulait dire. Là, c'est une assurance qui est bonne pour 4 ans, mais auparavant, c'est quoi que la Ville avait comme assurance
Bien, écoutez, on a tout le temps été avec les regroupements avec l'UMQ. C'est que dans le fond, l'UMQ, ce que j'en comprends, là, eux autres, ils vont aller sur le marché pour avoir le meilleur prix possible pour les 5 prochaines années, pour les 12 villes que je vous ai mentionnées. Au niveau des assurances de dommages, bien, j'imagine que c'est-tu incendie, refoulement... Bien, c'est l'entretien. Les assurances des bâtiments, assurances véhicules, contre les poursuites, les assurances générales de la ville de Rivière. C'est ça. Assurances responsables. Tout le portefeuille d'assurance de la ville. Mais partir de là, OK, cette assurance-là, elle coûte quoi? D'abord, elle est chargée annuellement ou pour chaque année? Ça doit être le prix annuel. Doit être bon pour jusqu'en 2028. C'est ça, mais ça va être par année. Là, on n'a pas encore le prix parce qu'on va aller en... L'UMQ va aller en appel d'offres là, pour trouver un assureur. Oui, mais partir de là, vous savez comment ça vous a coûté dans le passé? Oui, bien, on avait eu quand même un papier rabais, là. Effectivement, c'est-à-dire le service du greffe et des affaires juridiques a revisé l'ensemble de nos portefeuilles d'assurance. Ça nous a donné de bons rabais. On a aussi augmenté les franchises dans certains cas parce que c'était un peu bas, puis ça nous coûtait vraiment très cher. Votre question, si c'est de savoir comment ça nous a coûté en 2023, je vais devoir vous revenir parce que je ne sais pas par cœur, mais c'est ça. Puis effectivement, il y a des éléments où il n'y a pas beaucoup de compagnies qui soumissionnent, mais c'est ça, l'UMQ l'a fait en notre nom en vertu d'un rassemblement de villes. OK. L'autre question au point 18. Immobilisation, fin de... Oui, préemption, là. Oui, c'est ça, de préemption. Est-ce que ça touche le terrain du Château de Rêve ou c'est la promenade comme telle puis la façade aller jusqu'au chemin? Oui, c'est le terrain. Dans le fond, là, le propriétaire du terrain qu'on vise, là, c'est Noël au Château, là. Mais nous autres, il y a une partie là, qui est un stationnement. Il y a des citoyens qui l'utilisent, ce stationnement-là, pour aller marcher, là, comme je vous dis, là, sur la voie qu'il y a là. Là je cherche le lien piéton qu'il y a là. Oui. Fait que dans le fond, nous, on vient dire que si éventuellement ils veulent s'en départir, nous, on dit, bien, nous autres, on a un intérêt à l'acheter pour que les gens se stationnent là. Parce qu'avant ça, c'était ça que ça se faisait. Là, présentement, bien, ce qu'on sait, il y a des gens qui peuvent plus l'utiliser parce que les propriétaires veulent pas. Fait que là, nous, on vient dire, bien, écoutez, on veut se garantir un droit sur ce terrain-là éventuel. Mais c'est parce que... Le passage piéton, si vous voulez, là, en avant du Château de Rêve. Bien, c'est pas la traverse piétonne là, que je parle. Tu sais, il y a un sentier. Non. C'est ça. Ça va jusqu'au quai, là. Oui. Mais à partir de là, est-ce que ça part... Est-ce que vous autres, vous partez en avant du château? Puis... Non. C'est comme... je vous dirais que c'est comme à l'ouest du château, là. C'est ça, là, tu sais, il y a des arbres, puis il y a un stationnement qui est là. Quand vous partez de la traverse, si on veut, là, vous en venez, puis c'est le premier, il y a des stationnements, là, c'est bien avant le château, là. OK. Au point 17, au niveau de la Samaire. Oui. C'est quoi exactement l'entente là, qui a été discutée là-dessus? Bien, dans le fond, là, c'est que... Comme je vous disais, c'est que la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC ont endossé un prêt avec la FCM pour la SMR. La SMR a remboursé ce prêt-là en capital et intérêt jusqu'à dernièrement. La SMR a demandé si la FCM serait prêt à faire une tolérance, c'est-à-dire s'il n'y a plus de versement en capital, mais qu'on verse juste les intérêts. Plus, comme je vous disais, là, c'est de octobre 2023 aller jusqu'à avril 2025. La SMR va verser les intérêts, mais pour qu'on puisse faire ça, il faut que la ville, il faut que je signe l'acte avec la FCM, comme le préfet va être obligé de le faire de son côté. Puis ça prend une résolution de la ville qui m'autorise le maire à signer cette entente de cette convention-là de tolérance avec la Fédération canadienne des municipalités. Mais ça veut dire que la dette est reportée à plus tard? Bien, la dette, c'est sûr que c'est comme si quelqu'un, tu dis, bien, je vais juste payer l'intérêt. Bien, mettons que tu avais pris ça, je ne sais pas, sur 20 ans, mais que pendant un an et demi, tu fais rien que payer l'intérêt. Bien, ton prêt sur 20 ans, ça va peut-être être 22 ans ou 21 ans et demi. Là. Ça va dépendre des taux d'intérêt, comment que ça va être. Mais c'est sûr que tu reportes dans le temps le paiement de ton capital. C'est sûr que ça va te prendre plus de temps à le rembourser. Au niveau de la SMR et de la Ville,
Est-ce qu'il y a eu des discussions pour le quatrième actionnaire qui s'ajouterait dans ce maire? Oui, c'est toujours en discussion. Puis quand on va être rendu là, bien évidemment, si on vend des actions, bien, il y aura une résolution publique là, qui sera faite ici à la séance du conseil de Rivière-du-Loup pour dire, mettons, on s'est départi de 5, de 10 ou du pourcentage qu'on va laisser au nouvel actionnaire. Mais pourquoi que ça ressemble plus là, à quelqu'un qui cherche un actionnaire? Moi, je pensais que c'était quasiment cané, cette affaire-là. Non? On cherchait un actionnaire. Bien, écoutez, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous avez sûrement entendu M. Fitzgibbon qui a dit qu'il y avait des conditions respectées. Puis pour avoir la subvention de 7 080 000, bien, il y avait l'ajout d'un autre actionnaire avec nous. Ça fait partie de ça. Puis il y a des gens qui sont intéressés à venir d'être copropriétaire de la SMR. Mais là, c'est en discussion qui ça sera choisi. Bien, on va le savoir sûrement dans les prochaines semaines, prochains mois, tout le mois. Je vous remercie. Ça marche, M. Plante. Fait que pour l'ordre du jour, c'était correct? Pour l'ordre du jour? Oui. OK. Vous avez parlé, puis j'avais sorti quelque chose avant de m'en venir ici. En même temps, c'était le fameux 18 assujetti d'un immeuble ou un droit de préemption immobilier à des fins municipales. Oui. J'avais le règlement 21-35. Je n'avais pas porté attention que ce règlement-là portait sur des terrains. Mm-hmm. OK. Ouais. Je pensais que c'était juste l'immobilier, des immeubles. OK. Ouais. Qu'est-ce que le fameux terrain qui existe au coin de la rue des Dominiques, Saint-Georges, qui est en face de... Oui. Est-ce que c'est à la ville, ce terrain-là, ou c'est à la... Ça appartient au groupe Athéna. Au groupe Athéna. À ce moment-là, est-ce que la ville peut faire la même chose pour ce terrain-là pour pouvoir construire des maisons, des blocs appartements pour à prix modique? Ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Oui. J'en ai une autre possibilité pour vous. Au niveau de on a eu une réunion pour les églises à Rivière-du-Loup. Oui. Et je passais devant, j'ai passé là dimanche devant, puis ça m'a frappé, je sais pas pourquoi ça m'a tellement frappé, le fameux terrain qui était sur la rue Beaubien, qui appartient au presbytère. J'ai vu sur le site de la ville le numéro de cadastre 6 354, il me manque un chiffre. Hum. Ce terrain-là, ça incluait toute l'église, le presbytère, puis le fameux terrain qui est sur rue Beaubien, où ce que les statues font face. OK. Ce terrain-là, il est gigantesque. Est-ce que la ville peut faire la même chose pour pouvoir construire des immeubles pour des personnes mobilité réduite ou encore avec pour des loyers à prix modique? C'est au centre-ville, ça va bien, ça se déménage, ça se déplace facilement. Bien, écoutez, ça pourrait être des possibilités, là, mais j'essaie de le placer, le terrain. Là, je vois le presbytère, mais tu sais, il y a comme le stationnement de l'église qui s'en va le joindre. Là, c'est sa rue Beaubien. C'est ça, exactement. Okay. C'est sa rue Beaubien, puis le rue Beaubien, puis l'autre petit truc qui monte. Là. Ça dépend, là. Tu sais, quand vous dites ça, est-ce que c'est-tu un terrain vacant ou il est inclus avec le presbytère et l'église. Ouais, là, c'est sûr que là, le terrain, on pourrait pas à ce moment-ci, je pense, le scinder en deux immédiatement. Là. Mais tout dépendant, on verra ce qui se passera là, avec l'appel de projet qu'ils vont faire. Mais oui, ça pourrait être une possibilité d'arriver. Puis, tu sais, des droits de préemption, c'est pour, mettons, qu'on veut se faire... mettons, comment je dirais bien ça, une banque de terrain ou autre, on dit, bon, regarde, oui, on pourrait peut-être faire quelque chose là, bien, on peut mettre un hold dessus pour dire, nous autres, on aurait un intérêt. Mais oui, ça peut être des possibilités. Ça sert à ça, le droit de préemption. Parfait. Merci. Merci, M. Ça, ça peut également être applicable pour des bâtiments. Oui, des bâtiments, des terrains. Oui. N'importe quel immeuble. Oui, effectivement. On peut vous poser une question à part là. Bien, pour l'autre jour, vous n'aviez pas de questions, vous? Oui, on serait rendu à autre question. OK. Comme vous devez vous souvenir, M. le maire, peut-être d'autres conseillers, en 2011, le gouvernement a donné le pouvoir aux municipalités et aux MRC de protéger le patrimoine bâti. Mm-hmm. Ça vous dit quelque chose? Ben oui, je ne savais pas la date, là, mais non, okay. Ça me dit de quoi, effectivement. À partir de là, OK, depuis deux ans,
Le gouvernement, OK, parce qu'en 2011, c'était pour le patrimoine bâti, OK, extérieur. Mm-hmm. Puis depuis 2 ans, le gouvernement, OK, a donné le pouvoir aux municipalités, aux villes, puis aux MRC, OK, pour protéger le patrimoine intérieur des bâtiments. On sait qu'à Rivière-du-Loup, là, depuis 2 ans, la Ville n'a pas protégé l'intérieur d'aucune bâtisse patrimoniale de Rivière-du-Loup. OK. Puis votre question est? Ma question est pourquoi que la Ville de Rivière-du-Loup, OK, quand elle a vu, OK, comment ça se passait au niveau des églises puis tout ça, pourquoi qu'on n'a pas protégé l'intérieur de ces églises-là? D'abord, on sait, vous puis moi, puis le conseil doit le savoir, qu'il y a la loi qui s'en vient pour les municipalités, qu'une bâtisse patrimoniale qui n'est pas entretenue, la Ville va être obligée de s'en occuper, on ne la laissera pas couler. Oui, puis on peut refiler la facture au propriétaire, là, il y a tout ça. Bien, pour répondre à votre première question, parce que j'imagine que c'était ça le but, là, pourquoi c'est pas protégé à l'intérieur? Écoutez, allez voir à l'île verte, là. Puis moi, j'ai pris des informations, là, le pourquoi qu'on ne l'a pas fait. Nous autres, là, ce qui est important, je pense, c'est la structure du bâtiment extérieur. Mettons qu'on veut garder nos églises comme ils sont, puis qu'ils veulent être réhabilités pour un autre projet. Bien, si on protège l'intérieur, on peut même pas enlever un banc d'église. Bien, c'est justement pour ça, M. le maire. Et si on ne peut pas enlever un banc d'église, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ça? On ne peut pas faire de salle communautaire, on ne peut pas faire, mettons, exemple, qu'il y aurait des organismes communautaires qui voudraient louer des espaces à bureaux. On ne peut pas toucher l'intérieur, il faut qu'elle reste telle qu'elle. Mais c'est quoi qui est le plus important? Moi, je pense que de protéger l'enveloppe extérieure pour garder ce cachet-là, puis dire la faire vivre, parce que, à preuve du contraire, je pense pas que les églises vont se remplir pour des lieux de culte demain matin, là. Mais si on peut plus enlever un banc, on peut plus rien enlever, ben OK, elle est protégée, mais elle sert plus. Ça veut dire que présentement, de qu'est-ce que vous me parlez, là, ça dépend uniquement si ces bâtisses-là sont pas protégées, c'est que ça veut dire que l'ouvrage a pas été fait. OK? Qu'on n'a pas protégé l'intérieur de l'église Saint-Patrice. Ah, mais c'est voulu, M. Plante. Non, je sais que c'est voulu. Ah oui, je vous le dis, parce qu'on veut... C'est pas la Ville qui a payé ces bâtisses-là. Non, c'est les citoyens qui l'ont payé. C'est ça. Oui. OK? Les autres, ils n'ont pas un mot à dire, OK? Je pense bien que s'il y avait autant de monde à Réunion, à l'église de Saint-Patrice... Parce qu'il y a du monde qui tenait un peu. Ah oui, c'est sûr qu'il y a du monde protection. Qui tenait. Mais moi, je pense que les gens avec qui j'ai jasé aussi, l'important, c'est pas de démolir les églises, mais c'est de dire si on est capable de donner une deuxième vie puis une troisième vie. Ça, les gens sont d'accord avec ça. Fait qu'écoutez, si jamais l'église Saint-François, il y a un projet qui est là, puis que ça soit une école de danse avec le Collège Notre-Dame ou autre, là, puis je dis n'importe quoi, là, mais puis qu'on dit, ben non, on peut pas enlever les bains, vous allez danser où? Bien... Ça, c'est bien beau. Mais c'est ça, M. Plante. Mais c'est bien beau, ça, là, à me dire ça, là. Mais qu'on laisse dépérir une église comme Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup, je pense bien qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui n'a pas pris ses responsabilités, là. Quand on répare pas des tuiles sur le toit, puis on laisse couler... Puis là, ça a l'air à faire l'affaire de bien du monde. On se ferme les yeux. Non, mais je pense pas. Mais écoute, est-ce que c'est à la Ville à payer pour ça, M. Plante? Est-ce qu'on prend ça dans le budget de la Ville puis dire, nous autres, on va faire la couverture d'une église, ça va coûter 3-4 millions pour mettre ça à la... Non, on me parle toujours de 3-4 millions, là. Bien, en tout cas, dans l'ensemble du bâtiment, c'est plus 10-12, là, mais mettons, là. Mais c'est-tu à nous, là? Si vous voulez m'amener sur ce terrain-là, M. le maire... Mais avez-vous une question? Oui, la question est... Au niveau du presbytère de Saint-François, oui. OK, ça va faire 7 ans que le dossier traîne. Le bâtiment, je le connais. Puis votre question, c'est quoi, M. Plante? Savez-vous que le presbytère, OK, de Saint-François coule? Non. Pensez-vous que l'autre nid, ça lui a pris 7 ans, puis c'est même pas réglé, là? Bien là, ouais. Ça patine un peu de reculons, puis d'avant, là. Bon. Comment vous pensez que ça va coûter réparer le toit?
Je sais pas comment ça va coûter, c'est le projet. Si, admettons que la ville de Rivière-du-Loup veut pas grouiller, protéger notre patrimoine intérieur, la MRC, si la ville le fait pas, la MRC de Rivière-du-Loup... Là, vous êtes dans les affirmations. Avez-vous une question, M. Plante? La question est, on serait-tu plus avancé si ce serait la MRC qui protégerait l'intérieur de ces bâtisses-là? Parce qu'ils ont le pouvoir... Que le gouvernement lui donne. On serait plus avancé, je ne sais pas, mais écoutez, moi, je pense que ça ne serait pas une bonne idée, honnêtement, parce qu'il faudrait que le bâtiment reste tel quel. Fait que tel quel, là, c'est quoi qu'on veut à l'intérieur de ça? On veut qu'il y ait des nouveaux projets. Parce que, tu sais, la religion, là, puis peu importe, là, puis les églises ne sont pas pleines, là, à l'île verte, là, sont pognées, là, parce qu'ils ne peuvent pas la reconvertir, parce que l'intérieur est protégé. Oui, mais qu'est-ce que vous faites du patrimoine intérieur du presbytère de Rivière-du-Loup, de Saint-Patrice? C'est à l'église, là. Bien, là, il n'est pas protégé non plus, là. C'est ça, pas protégé. Non, non, on protège pas. Mais vous êtes des élus, là, qui vont y passer, là. Avez-vous une question? Bien, on arrête ça, là. Bon, on arrête cela, mais je pense bien que la population a le droit d'avoir l'intérieur de ses bâtisses protégé. C'est votre devoir pour le faire. Oui, c'est votre opinion. C'est votre opinion. Merci. D'autres questions? Non, c'est fini? Bon, bien, ça ferait le tour. Bien, merci à tous. On se revoit le 27 novembre.